Zombie apocalypse. Fais pas ça. Tu peux encore changer d'avis. Quoi, tu veux que je lâche l'affaire? C'est marrant, ça m'étonne pas de toi. Et tu sais pourquoi? Parce que t'as toujours été une putain de mauviette, Kerry. Je vais te donner un petit conseil. De toi à moi. Trouve-toi des couilles. Il est temps de faire place au futur. J'adore quand t'es en rock comme ça. C'est super excitant. Silveren, salut, Shaitan. C'est bon, on décolle. Tiens, mets ça. Et n'enlève pas, ok? Faux, j'ai de l'espoir.
La charge. C'était quoi le nom de la bombe dans Bushido 2? Dépêche-toi! Faut qu'on dégage! Le démolitron. La bombe est prête. L'élite d'Arasaka arrive! Sur Conic! Tire sur les câbles! Pas fini. Je dois encore mettre ça sur le sous-réseau. J'en étais sûr, putain. C'était pas une histoire de colonialisme corporatiste, hein. C'est toujours pour ta groupie, c'est ça? Ah non, tu comprendrais pas, Rogue. Chier. T'as 4 minutes. Après ça, on se tire et tu te démerdes. Verrouillage de la porte désactivé. Les trous de balles d'Arasaka arrivent. Je t'adore, Spider. Tout le monde m'adore. Du point d'accès. Connecte-toi. Sympa le brise-glace, c'est de l'import. Si seulement quelqu'un savait comment changer le protocole du sous-réseau. Très drôle. Tu vas m'aider ou pas? Besoin de mes services? Ah, mais il suffisait de demander. Merci, Murphy. Et maintenant, pour la forme. Putain de ta cybermère, on passe à la télé, maintenant un peu. Nous tournons à présent vers la tour Arasaka en cours d'évacuation suite à de terribles menaces de la part d'une organisation terroriste non identifiée. Cette dernière affirme vouloir, je cite, « renverser un symbole du colonialisme corporatiste ». Mbole Ebunike, le maire de Night City, a déclaré que tous les moyens seraient mis en œuvre pour enrayer et éradiquer la menace terroriste. Nous rejoignons à présent notre envoyé spécial sur place. Espérons qu'il parvienne à faire la lumière sur ces événements à mesure qu'ils se déroulent. Tout est paré. Bon, allez, cassos. Y grimpe, dépêche-toi d'atteindre le toit. La porte est verrouillée, mais elle tiendra pas longtemps. Fonce, Johnny, à toute vitesse. Smasher. Je te l'avais dit, Johnny Boy. Je t'avais dit que je te tuerais un jour. はい、まだ生きています。わかりました。買います。On va réessayer. Tes associés, qui sont-ils? Comment as-tu acquis des matières fissibles? Tu veux pas laisser ton copain jouer le bon flic, un peu, hein? Allez! Quelle organisation terroriste appartiens-tu?
Comment as-tu acquis des matières fissibles ? Votre patron a pas l'air hyper content de votre travail. Oh, excellent. Il en reste rien. Mon mari est mort dans cette tour. Mais il y a des choses pires que la mort. Ça faisait pas partie du plan. Naze, kono you na koto. Pourquoi avez-vous fait ça ? Parce que quelqu'un doit mettre un terme à votre folie. Hito wa uso tsuki, jibun jishin wo azamuku. Daga sha wa chiga. Sha wa yuben daga. Elle est lourde. Bon, écoute, mec, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Alors, j'aimerais bien qu'on écoute. Arasaka-sama, otou-sama no sasugai-han o mitsukemashita.
この女で間違いありません。はい。1時間後には着くか。Aide-moi. Tais-toi. De perdre connaissance. Ne ferme pas les yeux. Oh, merde. Nous avons tous les deux besoin de soins. Tu connais un charcutoc de confiance? Je connais... quelqu'un. Nous devons aller voir un charcutoc. Vite. Victor. Il nous aidera. Il faut qu'on aille là-bas. Appelle quelqu'un. Qui tu veux. Oh, ok, c'est bon. Bonjour. Selon mon scanner, vous êtes hors de la zone de service. Viens vite. Viens me chercher. Je dois aller chez Mistis, l'ésotérica. Devant chez Vic. Certainement. Un véhicule est en route. Il devrait être là dans moins de 20 minutes. Mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Sa liaison personnelle est touchée. Veuillez insérer le connecteur sous son oreille. Mais pas trop profondément.
Les neurosupports auxiliaires se situent entre ces ganglions lymphatiques, sous le muscle SCM. Si je me trompe et que je touche une veine, elle meurra. Certes, mais elle mourra aussi si vous ne faites rien. Je crois que je vois les supports. Vous pouvez la connecter. Vite, à l'intérieur. Je ne vais pas tenir. J'ai besoin de souffler. C'est votre sang ? Misty ! Sa pression chute ! Choc neurogénique. Nous la perdons. Il va falloir que je transperce l'os occipital. J'ai pas d'autre choix. Il y a un risque de... Je connais les risques. Comment elle va ? Elle se remet moins vite que vous, mais son état s'améliore. Tout dans un micro. Mais je réalise que ça change rien. Je me sens pas soulagée. Après, ça va te faire marrer. Je pose une bombe dans la tour Arasaka. Non, y a pas de quoi se marrer. Night City avait l'air différente. Bizarre. Et je la détestais. Je détestais tout. Et tout le monde. C'était trop réel. Même pour un rêve lucide. C'était pas un rêve, V. C'était des souvenirs. Il y a un construct de personnalité sur cet éclat. Ce que t'as vu, c'était son passé. Me dire que j'ai un terroriste dans le crâne ? Là ? Maintenant ? Tout juste. Johnny Silverhand. Il a eu son heure de gloire il y a une cinquantaine d'années. L'attentat chez Arasaka, ça te parle ? C'était lui. On raconte qu'il a été enfoui sous les débris. Ah, enfin, c'est pas le plus important pour le moment. Je t'avais jamais vu comme ça, Vic. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu... Il te reste plus beaucoup de temps. Comment ça ? La biopuce.
C'est une sorte de bombe. Déjà amorcée. Il ne te reste plus beaucoup de temps à vivre. Quelques semaines. Grand max. Le construct de Silverhand écrase ta conscience. Il va s'emparer de ton corps petit à petit, jusqu'au jour où tu disparaîtras. V, c'est important que tu comprennes bien. Tu vas arranger ça, hein, Vic? Si je pouvais, je le ferais, V. Tu peux me croire. Mais ça, c'est... Ça dépasse de loin mes compétences. Y a pas meilleur que toi, Vic. Pourquoi tu peux pas m'aider? Tu veux la version longue ou abrégée? Dis-moi tout, dans les moindres détails. Ok. Y a un construct, une psyché sur la puce. Celle de Johnny Silverhand. Tu l'as inséré dans ton port, mais il s'est rien passé. Jusqu'à ta mort. Une balle dans la tête par Dexter DeShawn. Mais comment on se relève d'un truc pareil? Petit calibre, un coup de bol. Que tu dois encore à une mauvaise décision de Monsieur DeShawn. Les nanites de la puce se sont mises à réparer les dégâts. Ensuite, elles t'ont prise par la main et gentiment guidée vers la lumière. Quand on meurt, normalement, on se relève pas comme après une sieste. Peut-être avant. Mais aujourd'hui, ça dépend. Tu peux avoir un composant corpo-top secret configuré pour te ressusciter. Et moi alors? Ma psyché? Moi aussi, je suis revenu de l'au-delà. Et quoi? Je suis censé accepter le changement sans broncher? Demande ça aux ingénieurs d'Arasaka. Moi, tout ce que je sais, c'est que ton esprit va partir. Et que ce sera pas joli. Du point de vue de la biopuce, les cellules de ton cerveau sont une tumeur qu'il faut exciser. Et ton corps, une coquille vide pouvant contenir le construct. Alors cet enculé de terroriste veut m'effacer et me remplacer? Il veut prendre mon corps? Il le fait pas consciemment. C'est automatique, instinctif. Et aucun de vous ne peut l'empêcher. Vic, t'as toujours été là pour moi. Si tu peux vraiment rien faire pour m'aider, alors... Qu'est-ce que je vais faire, putain? Tu peux me le dire, Vic? Si seulement je le savais... Misty! Tu lui en demandes trop, Vic n'est plus tout jeune. Viens, V, je te ramène chez toi. J'ai cru que j'allais crever aussi. Avec lui, dans mon sommeil. Dormir, c'est comme un aperçu de la mort, de l'inévitable. Je sais même pas si je suis réveillée ou pas, là. Après tout, je suis peut-être déjà morte, non? Tu devrais pas penser à ça, V. Détends-toi. Tiens, j'ai des médocs à te donner. Des oméga inhibiteurs. Prends-en régulièrement et ils empêcheront les choses d'aller trop vite. Et puis, ils devraient aussi calmer les ardeurs de ton invité. Pseudo-endotrésine, ça c'est de moi. Ils ont l'effet inverse. Ça va accélérer le processus et libérer la bête, si tu veux. Faut que je m'allonge. Tiens, j'ai aussi ça pour toi. Vic l'a extraite de ton crâne. Ça ferait un bon porte-bonheur.
Tu me promets que tu vas essayer de dormir? T'es un ange, Misty. Merci. Bonne nuit, V. Fais de beaux rêves. Faut que je me tire d'ici, tu m'entends? Et je tuerai tous ceux qui m'en empêcheront. Toi y compris. Hey, il me faut une clope. Où tu planques ton paquet? Alors va en acheter, bordel, il m'en faut une. La dernière. Oh putain. Oh putain. Dans quel genre de bordel j'ai pu aller te chercher? Putain, mais disparais. Pour qui tu bosses? Réponds-moi. Merde. Merde. Je vais prendre le contrôle. Je trouverai un moyen. Tu m'entends? Va te faire foutre, sale connard! Non, pas comme ça. Fous-toi un cracheur dans la gueule et presse la détente. Je peux les sentir, nos esprits qui se touchent. Je suis comme du moisi sur un fruit. Je t'envahis peu à peu. Je peux même pas le contrôler. Oh, tu m'entends? Putain, je gerberais si je pouvais. Non, c'est juste une copie de monogramme. Je suis forcément ailleurs, c'est obligé. Un nouveau livre.
J'ai pas encore réussi à remettre mes idées en ordre, après tout ce qui s'est passé. Tu n'y arriveras pas avant un moment. Et alors quoi? Si tu as l'intention de vivre, tu dois remonter sur le ring. La cloche a déjà sonné. Tom Sedaina, j'attends. Mais ça fait au moins une... J'ai eu des petits soucis. La routine, quoi. Ouais, je suis sûr que t'as besoin de matos. J'ai pas raison. Vas-y, montre-moi ce que t'as. Je ne pensais pas que tu survivrais. Pourquoi tu m'as aidé, au fait? J'avais besoin de toi en vie. C'est toujours le cas. C'est pour la biopuce. C'est pour ça que je suis là. On m'a dit qu'elle était irréparable. Toute tentative d'extraction serait catastrophique. Tu en mourrais. Vic parle trop, parfois. Peu de gens seraient arrivés à faire ce qu'il a fait.
Tu lui dois beaucoup. Qu'est-ce que tu attends de moi, au juste? Pour commencer, tu dois me dire où je peux trouver Evelyn Parker. Evelyn? Pourquoi elle t'intéresse? Yorinobu Arasaka et elle étaient intimes. Elle doit connaître ses points faibles. Ça me fait penser que moi aussi j'ai deux mots à lui dire. Elle a promis de m'aider à me débarrasser de la puce. Je ne compterai pas là-dessus. Elle est sûrement partie loin, très loin d'ici. Tu viens de répondre toi-même à ta question. Evelyn doit être loin maintenant. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle pourrait t'aider à retirer la puce? Elle est soutenue par une corporation? C'est ce que je pense, ouais. Evelyn était bien renseignée sur la relique. Elle avait tout un tas d'infos classifiées. Elle est assez mystérieuse, mais elle avait ce côté sournois qu'on voit chez les agents corpos. Tu vois le genre. J'ai aussi ce côté sournois dont tu parles. Tu t'es fait dégager comme une merde. Tu fais partie des parias maintenant, t'as déjà oublié? Rien d'autre? Faut vraiment que j'y aille. Attends. Yorinobu Arasaka doit répondre du meurtre de son père. Tu veux faire justice à Night City? Je veux me venger. Ce sera bien plus simple. J'ai des alliés prêts à mettre Yorinobu à genoux. Tout ce qu'il me manque, c'est une preuve. Et toi, tu crois qu'ils vont se fier au témoignage d'une merc? Pour l'instant, sais-tu ce que j'ai? De plus, je ne connais personne d'autre. Et je suis un fugitif. Ils me traquent. Alors quoi? On débarque au QG d'Arasaka et on annonce que Yorinobu est un meurtrier? Qu'il a assassiné Saburo, son propre père? Il y aura une audience avec des personnes raisonnables, en terrain neutre. Certaines procédures seront mises en place pour établir la vérité. Un détecteur de mensonges? Non, merci. Très bien. Alors résumons la situation. Tu es mourante. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Une puce, la relique, est la source de ton problème. C'est une technologie d'Arasaka. Eux seuls la maîtrisent. Cette corporation peut te sauver aussi facilement que tu faire disparaître. Tout dépend des personnes qui sont de ton côté. C'est politique. Des personnes comme Anders Hellman, tu veux dire? Comment connais-tu ce nom? Un casse, ça demande de la préparation. Hellman est le créateur de la relique. Faux. C'est un pion. Je pensais à quelqu'un du bien plus puissant. Et puis, Anders Hellman a fui Arasaka. C'est un traître. Alors, Anako-sama, je voudrais d'abord vous demander... Ces bâtards d'Arasaka sont partout. Hey! J'étais en train d'écouter! Je m'en fous. Y'a que toi que ça intéresse, la vie de cette pute de corbeau. Qu'est-ce que tu as dit? T'as bien entendu. Laisse tomber, Takemura. Heureusement que ta copine est plus futée que toi. S'il y a bien un truc qu'on veut éviter, c'est de se faire remarquer. Désolé. C'était un réflexe stupide. Merci pour ton offre. J'avais besoin d'y réfléchir. Je te rappellerai. J'ai besoin de temps pour m'organiser. Si tu m'aides, tu as beaucoup à gagner. Tout ce que je demande, c'est que tu ne quittes pas la ville. Quitter la ville? Pourquoi faire? J'ai besoin d'aide, et c'est ici que j'ai le plus de chances d'en trouver. À part les spécialistes d'Arasaka, personne ne pourra t'aider. Pas d'alternative.
En fait, on vient juste d'en mentionner. Anders Hellman, l'inventeur de la relique. Si quelqu'un peut m'en débarrasser, c'est lui. Et si pour ça je dois encore me friter avec Arasaka, eh ben je me gênerai pas. Hellman a fui la société. J'ai essayé de le retrouver pendant des jours. Il... Comment on dit dans votre langue? Il s'est... volatilisé. Pourquoi tu voulais trouver Hellman? C'est lui qui a prévenu Saburo-sama au sujet de Yorinobu. Il les connaissait bien tous les deux, et pourrait être un témoin capital. Les corporas parlent dès qu'on leur tire la queue. Pendant des jours, j'ai rassemblé des informations. Elles ramènent toutes au même lieu, un club appelé l'After Life. J'ai vite été congédié par leur reine des Fixas, Rogue. Tu veux dire que t'as bossé pour Saburo, et que t'as pas la moindre idée de comment t'adresser aux puissants? Elle ne voulait rien avoir à faire avec l'homme accusé du meurtre de Saburo Arasaka. Rogue a ses sources. Elle est au courant d'à peu près tout ce qui se passe dans cette ville. On devrait aller lui parler d'Hellman. Je te souhaite bonne chance. Elle est difficile, hors de prix, et grossière. Avec un peu de chance, je retrouverai Evelyn. Si elle n'a pas pu t'aider avant, elle ne pourra pas le faire maintenant. Les voleurs ont leur code d'honneur, pour info. Je trouve ça ironique. L'honneur existe bien, mais les voleurs n'en ont pas. Va dire ça à Yorinobu Arasaka, hein? Cette femme, Parka, ne t'aidera pas. Si j'étais toi, je réfléchirais à un plan B. Je ne peux pas rester là plus longtemps. Fais ce que tu veux. Retrouve Parka, Hellman, ou je ne sais qui. J'ai des amis à voir et des services à demander. Quand mes contacts chez Arasaka seront prêts à t'entendre, je t'appellerai. C'est ça, tu m'appelles. Si par miracle, tu retrouves Hellman, fais-le-moi savoir. Lui et moi, on a un compte à régler. Grâce et ravioles à réchauffer. C'est marrant, Night City est toujours la même. Arasaka est toujours une machine tyrannique, et le monde court tout droit à sa perte. Enfin, au moins, Rogue est toujours là. Tu sais que t'es gonflé. D'abord t'essayes de me buter, et maintenant tu veux qu'on soit potes? Genre tout va bien? Tu sais que t'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour me parler. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai un peu réfléchi et j'ai changé d'avis. J'ai plus envie de te tuer, c'est fini. Va te faire foutre, sale con! Hey, c'était pas facile pour moi non plus, hein? Tu t'es réveillé dans une décharge, moi dans ta tête. Perdu au milieu de tes pensées, de tes souvenirs. Je crois que ça se vaut. Et puis, j'ai pris un peu de recul. Je crois qu'on peut s'entraider, tous les deux. On pourrait déjà aller voir Rogue. Elle et moi, ça fait une éternité qu'on se connaît. T'es mort il y a 50 piges, du con. Tous tes amis sont morts aussi, ou trop vieux pour se souvenir de toi. Johnny Silverhand est mort en héros. Ça s'oublie pas, ça. Ok, tu connais Rogue. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Salut, j'ai une tumeur au cerveau qui prétend être ton vieux copain Johnny. Crois-moi, des histoires à la con, elle en entend depuis l'époque où t'étais même pas encore au chaud dans les bourses de ton père. Pas besoin d'en dire plus. J'ai vu tes souvenirs. Dégueu. Je sais comment m'y prendre avec Rogue. Amène-nous juste à l'Afterlife. Y a pas de nous.
payer un flic dans un quartier comme celui-là, à un an de la retraite. Thank you.
coin? J'ai une super mémoire des visages. On est fermé, désolé. Je dois parler à Evelyn Parker. Elle est pas là en ce moment. Ça fait un bout de temps que je l'ai pas vue d'ailleurs. Tu sais où je peux la trouver? Je suis pas sa pote. Demande plutôt à Judy. Et elle est où, Judy? Dans son studio? Hein? Descends l'escalier. Je vais prévenir Judy que t'arrives. T'as pas intérêt à faire de conneries, ok? Oh, oh, redis-moi ça! Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on tabasse! Mais ça marche pas, je sais pas, sortir les flingues! Je m'en fous! Je veux juste récupérer ma fiole! Ton Mac t'a foutu dehors, c'est ça? Il a dit que je lui faisais perdre du fric! Et après, il a dit. Bonne chance dans la vie! Et il a claqué la porte! J'ai dû pas endormir, moi, cette nuit! Judy est encore en train de se ridiculiser. Je me demande pourquoi sous la garde. Tu rigoles? Hé! Hey, où tu crois aller comme ça? Y'a rien à voir c'est ici. Bon. C'est de m'envoyer tous les objets de plaisir que tu trouves. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'elle? Si tu t'en fais autant pour les paumer, va donc t'occuper de ton invité. Suze, on n'a pas terminé. Bien sûr que si, on a terminé. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, t'as pas vu Evelyn? Je dois lui parler, c'est important. Pourquoi? Pour lui faire porter le chapeau pour ce casque t'as foiré en beauté? Allô, V? T'as l'air d'être au la courant terre pour le casque. Ça veut dire que tu lui as parlé. Je sais que t'as merdé. Que t'as fait tuer tous tes Chumba, comme une pro. Moi aussi, je m'en suis pris une. Oh, pauvre chou. C'est les risques du métier pour une merc. Tu trouves ça drôle, de tourner comme ça autour du pot? J'essaie de faciliter les choses, là. Pourquoi tu me dis pas où elle est? C'est simple. Je te fais pas confiance. J'ai pris un risque. C'est vrai. Comme tout le monde. Mais on l'a pris pour Evelyn. Elle connaissait les enjeux depuis le début. Très bien. On dirait qu'on est toutes dans le même bateau. Mais t'es désespérée. Je le vois sur ton visage. Ok. Disons que je suis dans la merde. La biopuce qu'on a volée pendant le casse. Elle est en train de me tuer à petit feu. Comme Eve a commandité le boulot, elle sait peut-être comment arrêter ça. C'est pour ça que je dois savoir qui l'a engagé. Admettons que je te crois. D'accord. Evelyn est une poupée. Elle bossait aux Clouds avant. Tu devrais aller voir là-bas. C'est où, au juste? L'adresse est dans l'étui à cigarettes, sur ma table. Prends-le et donne-le à Evelyn quand tu l'auras retrouvé. Une méga tour, c'est le grand luxe. Attends. Tu me diras comment elle va, ok? Ok, je t'appellerai. Merci. Merci, Yves. Une poupée? Pourquoi je suis pas surpris? C'est un engramme dans un cerveau malade. Plus rien devrait te surprendre. Bon, alors on va voir là-bas, aux Clouds.
Ouais, pourquoi pas. Evelyn, mon cul. Admets-le. T'es là pour les vertus de Judy, c'est ça? Je dois avouer que c'est de la super cam. On m'appelle Monsieur Hens. Si tu cherches du boulot à Pacifica, appelle-moi. Moi, c'est V. Pas de... ravi de te rencontrer. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Si tu cherches du taf, appelle-moi. La dame du domaine de Westbrook. Passe me voir quand t'auras un moment. On doit régler nos comptes. Pour Sandra Dorset, vous vous êtes bien débrouillés. Ton ami et toi. À plus tard. Hier. Tu fais quoi? On est pas à l'université, faut réfléchir là. J'ai fait un peu plus.